A long, long time ago it was, before people began to dwell in the sky. A terrible war was waged between us humans and the wicked god. After the horrendous battle, our ancestors entombed the wicked god and left the polluted and barren earth to find a future in the sky. In this world, there are things that people mustn't touch. Who cares? The god of demise and destruction, the cursed power of Malpertio. The Eth Magnus? Never heard of that before. Damn! The bastards! It's unthinkable to act against the Empire! Us heroes, we have so much to do. I've been waiting. Kill him. If left alone, he will prove a threat to my Empire. Let us trust the Just young. One more. Who hold the spirit within them. Struggle alone will fill a great emptiness within you and ease your pain. How long have you known? Come on, Kibari! Move it! Go away! Our only hope is the long-lost ocean. Awaken! Ancient god of destruction! Be what you always dreamed to be! Someday you will know who you really are. Salut à tous, c'est Mr. Freeze. On se retrouve pour la première vidéo de Baton Kaitos. Qui est un RPG sur GameCube. Je vous en dire plus en avançant dans le jeu. Parce que je vais vous laisser découvrir un peu l'histoire. Voilà. Donc tout commence. That spirit seems to like you. If you can bond with it, something wonderful may happen. Il y a un lien avec un esprit. Alors vous pouvez vous dire, je vous dis juste ça. Après, je vous laisse regarder. Que les voix sont dégueulasses, c'est le cas, mais ça se règle dans le jeu. Il faut juste que je change une option, mais je pourrais pas tant que l'intro est pas terminée. Hello? Can I... May I ask your name? Alors là, on me demande bien notre nom à nous, et pas le nom du perso. Hein. La tradition impose que je m'appelle Mr. Freeze. Hein. Tac. Ils connaissaient pas. Dans les jeux de l'époque, ils connaissaient pas le clavier AZERTY ou QWERTY. Hein. C'était ah merde. Comment on fait alors? Retour. B. Ouais. Donc c'est la première fois que je fais un jeu GameCube hein, en vidéo. J'utilise un émulateur. Hein, bon, faut pas le dire. De toute façon, la console est morte, on s'en fout. Pourquoi je fais ce jeu? Parce que c'est un excellent jeu que j'ai découvert il y a de nombreuses années, mais que je n'avais pas fini. Avant, enfin j'ai vraiment beaucoup joué, on va dire l'année dernière. Et il m'a très agréablement surpris. C'est vraiment un très bon RPG, très original. Il a son univers qui lui est propre, son système, son gameplay qui est vraiment très original aussi. Les musiques sont géniales. Hein, c'est Sakuraba, donc c'est celui qui a fait toute la série des Tales of, des. Il a fait quoi? Les Valkyrie Profile, il a fait les Golden Sun, c'est également lui, il y a quoi aussi? Enfin il a fait beaucoup de grosses séries de jeux. Star Ocean, c'est aussi Sakuraba.
Voilà, donc on a vu le passé hein, du perso, Kalas. Sa maison qui brûle, il s'enfuit. Il y a des gens étranges qui viennent chez lui, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc bien sûr, on va tout nous expliquer. Et comme dans tout bon RPG à l'ancienne qui se respecte, on se réveille dans un lit, le jeu commence quand on se réveille. Mais là, on n'a pas juste fait un rêve chelou. Alors, me dites si je fais passer le dialogue trop vite. Si je fais passer pas assez vite, c'est pas la peine de me le dire, parce qu'il y a sûrement des gens qui ont besoin de le regarder comme ça. Là, on attend une minute entre chaque... Non, je rigole. En général, je vais couper quand la voix est finie. Donc oui, les voix sont en anglais. Who are you? Why am I here? My name is Larry Kush. I'm the village doctor here at Sebelrai. They found you lying unconscious in the woods nearby and brought you here. Oh yeah, I remember now. I was attacked by rock cats. Man, how stupid of me. You're lucky they were only rock cats. They are herbivores, after all. It's awfully strange to hear of them attacking humans. Ouais, c'est parce que c'est une belle plante. The animals in that forest have been acting quite peculiar lately. I'm not sure why, but they're much more aggressive than they used to be. You'd better stay away from those woods. Bon, là, on dirait un RPG hyper classique. Vous allez me dire, oh, putain, c'est comme dans Tales of Phantasia. Après, on va attaquer, on va aller dans la forêt, on va revenir, le village va brûler. Mais non, c'est pas ça. Putain, je suis en train de spoiler un autre jeu, c'est pas grave. Non, c'est vrai que dans les clichés des RPG japonaises, à l'ancienne, on se réveille souvent dans un lit, il y a une forêt à côté, voilà. Mais vous n'en faites pas, le jeu est plutôt original, sur le fond. Enfin, pas sur le fond, plus sur la forme, pour le coup. It looks like you took quite a blow to the head, so I was worried you might have amnesia. But you seem to be fine. If you feel up to it, you're welcome to take a look around the village. We're only a small farming community on the frontier. So, I'm afraid there isn't that much to see. By the way, I left your winglet over there. By the way, quite an unusual. Comme vous avez pu voir hein, dans l'intro là, que c'est un monde un peu céleste. Donc on est sur des. Vous verrez, hein, la carte du monde c'est plein d'îles célestes en gros. Un peu comme Skies of Arcadia si vous voulez, si vous y avez joué. Mais plus. Alors je sais pas comment dire, c'est des grandes îles quoi, c'est pas. C'est pas plein de petites îles, quoi. Voilà, son grand-père, hein, mort dans l'incendie qu'on a vu dans le petit flashback au début. Et du coup, oui, c'est un monde aérien, et pas mal de personnages ont des ailes. Sauf bah, lui qui en a qu'une, en fait. C'est pour ça qu'il a une aile mécanique, que son grand-père le fabriquait. Mimai, is it? Donc c'est Mimai qui l'a sauvé. Hein. Voilà. Et voir le jeu assez joli pour l'époque. Hein. Donc c'est la même génération que la PS2. Hein. Well, that should do it. Alors ce qui est important à savoir dans ce RPG. Première petite originalité, même si on a plein d'autres comme ça, mais la plupart des RPG Jap, vous allez jouer votre perso. Et vous êtes le perso en fait, le joueur est le perso. Pas dans celui-là, le joueur c'est l'ange gardien, donc celui avec où on voit le pacte là au début avec les ailes qui apparaissent, enfin les plumes qui apparaissent sur le perso. Nous on joue pas Kalas, on joue l'ange gardien, et Kalas est un perso qui parle, hein, qui n'est pas atteint de mutisme comme certains persos qu'on joue dans d'autres RPG.
Voilà, donc nous on joue pas Kalas. Enfin, on le joue parce qu'on est le joueur, on joue tous les persos. Mais je veux dire, le joueur n'est pas, dans l'histoire, n'est pas Kalas, quoi. Il est l'ange gardien de Kalas. Et qu'est-ce que c'est l'ange gardien? Bah vous verrez au fur et à mesure du jeu. Voilà. Donc vous allez voir, le jeu est assez joli. Ils ont fait un espèce de... Comment dire... Ils ont vraiment réussi à créer des peuples avec leur, une culture qui leur est propre. Même les animaux, par exemple, il y en a plein, plein de différents. Vous allez voir, l'environnement est très sympa, vous voyez les trucs qui bougent, c'est très coloré. On les défonce. Voilà, bon, en gros, je passe le dialogue, il nous dit simplement que les fleurs bleues sont des points de sauvegarde. Et il y a aussi des fleurs rouges. Les fleurs rouges, c'est juste des points de sauvegarde, en fait. Et les fleurs bleues, c'est des points de sauvegarde, et ça sert aussi à autre chose. Ouais, on peut aller à un endroit, aller au temple, mais on le fera plus tard. Voilà. On va juste explorer un peu le village, histoire d'avoir... Alors, vous voyez, elle s'appelle Femme au bracelet, alors ça c'est important. Il y a une quête annexe dans le jeu. Il faut retrouver toute une famille pour recréer un arbre généalogique. Alors ça c'est pas des cochons violets. Hein. On dirait des cochons Milka, mais c'est des vachons. Hein. C'est un mélange de vaches et de cochons, quoi. Oh, how I long for Furcad, ancient capital of stone, jewel of the east, city of my hopes and dreams. Outsiders might not see what's so special about a small city on this frontier island, but I can hardly wait each week for the day when we sell our wares in the city. One of these days, I'm going to run into a lord in the street, and then our eyes will meet, and it's love at first sight. Oh, how romantic. I can hardly wait. Oh, stop it. You're daydreaming again. Even if you do run into someone like that, heaven knows what he'd do to a country girl like you. He'd play with your head and leave you the moment he finds another young girl. Just because we have wings, doesn't mean we should be fluttering on such childish dreams. Plant your feet firmly on the ground and take careful steps, slowly but surely. I know, but everyone likes to flutter on about romantic dreams at my age. All right, honey. You can dream all you want. Once you finish your chore. Ta gueule et travail. On a une réplique de Warcraft 3, mais on va pas parler de Warcraft 3. Hein. Du travail, du travail. Encore du travail. Alors. Alors là, c'est un peu comme dans FF9 par exemple. On peut voir les objets, enfin les interactions pour récupérer des objets avec cette petite icône là de point d'exclamation. Voilà, vous voyez, on peut pas, pour l'instant on peut pas. Pour l'instant on peut pas récupérer les objets parce qu'en fait vous allez voir. Le jeu, hein, c'est un RPG, c'est un card RPG, donc il y a un jeu de cartes qui est lié au... En fait, il y a un système de cartes à jouer, mais c'est pas un jeu de cartes, hein. C'est bien un RPG avec des attaques, machin.
Les visuellement, ça ressemble à un RPG. Vous allez voir que le gameplay est fait à base de cartes. Mais c'est bien foutu, hein, vous verrez. Faut pas que ça vous rebute. Wow. Is this him? Her? Me, my? Is this who brought me here? Uh-huh. Mimai's really cool. He's way smarter than all the drunks you see around here. And helpful, too. I see. Well, thanks, Mimai. I owe you one. Et alors, pour le son... Voilà, faut se mettre en Sauron pour que les voix soient moins pourries. Même si on n'est pas en Sauron, c'est comme ça. Bah, je vous montrerai un peu ouais, comment fonctionne le jeu. Donc on a des stats classiques, hein, attaque, défense, vitesse, agilité, vitesse. Bah, l'attaque c'est les dégâts, la défense c'est, c'est pour résister quoi. L'agilité, bonne question. Je sais pas sur quoi ça influe exactement. Ça doit être l'esquive. Et puis la vitesse, bah, c'est juste. C'est les persos qui ont le plus de vitesse qui jouent premier quoi. Voilà. Après, on a tout un système de résistance, hein, vous voyez. Avec des éléments. Et des. Pas des éléments, pardon. Les résistances, c'est juste les altérations d'état, donc il y en a 8. Coma, sommeil, paralysie, glace, en glace c'est qu'on a gelé en gros, enflammé, poison, migraine et confusion. Alors vous verrez ce que c'est. Coma en gros c'est la mort, enfin la mort. Il n'y a pas vraiment de mort dans le jeu, c'est le coma. En gros quand on a plus de PV, on est en coma. Mais il y a des attaques qui peuvent nous tuer d'un coup, hein, qui font des dégâts de mort en fait. Et c'est la résistance au coma qui résiste à ça. En sommeil vous savez ce que c'est, paralysie c'est pareil. La différence c'est que sommeil bah, on peut se réveiller en se tapant. Après il y a glace, c'est qu'on est gelé. Enflammé on se prend des dégâts, poison pareil. Et migraine et confusion vous verrez, je peux pas trop vous expliquer sans vous montrer le gameplay parce que en gros ça perturbe un peu les commandes quoi. Voilà. Sinon les équipements sont un peu chelous dans ce jeu. En gros on a qu'un équipement par perso. Mais vous en faites pas parce qu'en fait, contrairement à beaucoup de RPG, c'est pas sur l'équipement que les stats comptent pas vraiment en fait dans ce jeu, vous verrez. Voyez, on a un équipement. D'ailleurs, alors attendez, normalement, ouais voilà. Voyez, on a trois modes. Juste le nom, la description. Il y a une description sur chaque objet du jeu. Hein. Et là les stats. Donc l'équipement ça sera juste un accessoire en fait. Il n'y aura que des accessoires, chaque perso en a un accessoire. Mais vous en faites pas parce que ce qui compte c'est ça. En fait on a plein d'attaques dans le jeu, vraiment beaucoup. Il y a plein de combos à faire avec nos cartes. Et vous verrez que c'est vraiment très sympa que le gameplay. Je vous montrerai pendant les combats. Mais c'est très bien foutu, hein. C'est vraiment cool. En fait l'avantage de ce jeu de cartes, c'est que contrairement à un RPG où dès que vous avez une meilleure attaque, vous n'utilisez plus les anciennes, par exemple si vous utilisez feu 2 au lieu de feu 1, en fait dans le jeu, on va obtenir plein d'objets partout, et on va toujours utiliser les anciens en fait, parce qu'en fait on a tout un deck, vous voyez une pioche hein, ça s'appelle, mais bon, c'est un deck c'est pareil. Pour l'instant on a un acte 20, mais on pourra avoir beaucoup plus de cartes plus tard. Vous voyez classe 1 en fait, ça c'est votre niveau de classe en gros. C'est plus votre classe est haute, plus vous avez de cartes sur vous. Et plus vous pourrez en jouer par tour en fait. Voilà. Le stock, bah, c'est juste les cartes qu'on peut enlever ou retirer pour les mettre dans le deck. Et en gros, le jeu, bah, pendant le combat, vous piocherez des cartes aléatoirement. Et en faisant des combinaisons, donc soit avec des suites de chiffres ou des paires ou des choses comme ça, vous pourrez booster vos dégâts ou défenses. Et en fait, bah, par exemple, vous voyez, les équipements sont des cartes en fait. C'est pas... C'est pour ça que je vous disais, il y a quand même des équipements, mais on les utilise en fait, c'est un peu bizarre. Par exemple, quand on se fait... Il y aura des phases d'attaque où là on utilisera des cartes d'attaque, et des phases de défense où on utilisera des cartes de défense comme des armures. Et c'est comme ça que les dégâts sont déterminés. Et après, il y a tout le système d'éléments. Il y a 6 éléments, je crois, il me semble. Il y a feu et glace qui s'annulent entre elles. Ténèbres et lumière.
et temps et vent. Mais c'est pas terre, c'est temps. C'est temps et vent, il n'y a pas d'élémentaire. Voilà. Ça marche comme ça le jeu. Et je vous montrerai les combats juste après, de toute façon. Voilà, on obtient les Magnus. Alors les Magnus, hein, c'est le nom des cartes. Ça s'appelle pas des cartes, mais des Magnus. Il y a de l'humour aussi dans le jeu, hein. Il y a plein de conneries. Alors bien sûr, hein, ça c'est un truc qu'il faut lui faire, ramener du lait. Mais pour l'instant, on peut pas. Là, vous voyez un perso assez étrange que vous avez pu voir dans la cinématique de début. Bon, c'est le problème des cinématiques comme ça, c'est qu'on voit d'avance qui sont nos persos. I came to see the ancient ruins in the woods near here. How about you? Me? On va avancer un peu dans le jeu, on va pas faire une vidéo de 20 minutes parce que sinon il y aura à se passer. Bye little guy. See you, Mimai. Alors les Magnus que j'ai récupérés là, on dit pas carte hein, mais Magnus, hein, je vous rappelle. On peut pas les utiliser pour l'instant. Why bother going all the way down there just to see some stoop? Nobody in this village will even go near those woods. They say it. I hope they don't get jumped by wild animals out there. Like someone else did. Yeah, really. Ancient ruins in Moongao Forest, eh? Voilà. Good day to you. Don't let the rural surround. We only carry Magnus. C'est un marchand. Remember, a Magnus is created by extracting. En fait, tout marche avec des cartes dans le jeu et ça fait partie même de l'univers. Hein. C'est pas juste un système de combat. Et on peut tout stocker dans des Magnus, c'est-à-dire qu'on peut stocker des objets pas que pour le combat, mais aussi des objets pour certaines quêtes. Ah, voilà, un bon exemple. And the object crumbled in your hands. Am I right? Never forget rule number one. Buy your Magnus from a decent. In other words, us. Our Magnus are as fresh as can be. Believe me, you're a lucky man, as we're currently having. Come in, come on in. Alors c'est un jeu un peu contemplatif, donc c'est un peu lent parfois, mais vous verrez que le jeu est vraiment cool. On peut soigner, alors dans les magasins, il n'y a pas d'auberge dans le jeu. C'est dans les magasins qu'on soigne. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Et là vous voyez qu'on peut acheter, on a presque pas d'argent donc on va rien acheter pour l'instant. Mais on peut acheter alors soit des... ça c'est des objets qui s'utilisent hors combat pour se soigner. On récupère pas nos PV entre les combats. Hein. Ça c'est voilà, c'est de la défense. Et les épées comme ça, ça permet de les utiliser en attaque et en défense en fait, c'est vraiment pas mal. Oui, attaque 12 et défense 7. Je vais juste faire une petite sauvegarde au cas où, parce que je sais que la dernière fois le jeu a planté. C'est pas le jeu hein, qui a un problème, mais j'ai un petit problème de compatibilité avec l'émulateur donc. Attendez pour être sûr. Voilà. J'enregistre sur l'autre slot pour pas risquer de sauvegarder sur ma sauvegarde où j'ai 40 heures de jeu. Et c'est parti pour la forêt, on va enfin avoir de l'action. Alors la carte du monde c'est comme ça, on se déplace. Il n'y a pas de combat sur la carte du monde, c'est juste pour se déplacer d'un lieu à l'autre. Donc on peut aller pour l'instant à la vallée de Nunki.
Mais ça sert à rien, on sera bloqué. Ou la forêt de Fourbelune, hein, la suite du jeu. Ouais, les ennemis sont visibles, hein, c'est pas des combats aléatoires. Ouais, et on a toujours un petit résumé de ce qu'on a fait dans chaque phase d'attaque ou de défense. Alors voilà, là je vous explique vite fait comment ça marche. Donc il y a des chiffres sur les cartes. Ce ne sont pas les dégâts. Alors je sais pas comment vous expliquer, mais c'est ce qui permet de faire les combos en gros. Comme si vous faites une carte à 6 et une carte à 7, il va y avoir un bonus de dégâts parce que c'est des chiffres qui suivent. De même, si vous faites des paires, ou des doubles paires, ou trois fois la même carte. Voilà. Et les suites, ça va dans les deux sens. Hein. Vous pouvez faire 1-2-3 ou 3-2-1. Voilà. Pour l'instant, on peut utiliser que 2 cartes par phase, mais on pourra en utiliser plus tard. Et du coup, les dégâts là, bah, c'est simplement. La valeur d'attaque des deux cartes ajoutée. Moins la défense de l'ennemi, mais bon, les ennemis, ces ennemis-là n'ont aucune défense donc. Donc on les défonce. Il faut des bons réflexes. Hein. Ah, vous voyez, il m'attaque à 4. J'utilise un truc qui me donne 13 de défense, donc 4-13, donc je reçois 0 dégâts. Voilà. Vous voyez, là je fais 4 dégâts. Et là, 23. Merde, je l'ai mal placé. Un, deux. Alors pourquoi des fois je loupe mes cartes? C'est parce que ma manette c'est un peu le bordel. Voilà. Vous voyez là, 2 à la suite, donc ça augmente de 13% les dégâts. Et après il faut prendre en compte les éléments. Parce que bah, y a les éléments de l'ennemi qui comptent. C'est un ennemi de feu, il va craindre l'eau. Mais ce qu'il faut faire gaffe aussi, c'est qu'il faut pas nous utiliser dans une même attaque deux éléments contraires, parce que sinon ils s'annulent. C'est-à-dire si vous faites une attaque de feu, une attaque de glace. Les dégâts vont se soustraire l'un à l'autre en fait. Donc c'est très important ça. Jamais utiliser deux éléments contraires dans une attaque ou une défense. Enfin, jamais ensemble quoi. Voilà, et après chaque combat, on peut récupérer un Magnus. Voilà, ça c'est à gauche, là c'est tous les Magnus qu'on peut récupérer. Et on peut en avoir, on peut en prendre qu'un à chaque combat. Hein. Et des fois il y aura des Magnus qui seront automatiquement pris. On les verra à droite, là où il y a marqué vous n'avez pas de Magnus. Par exemple, après les combats de boss, on aura des Magnus obligatoirement et d'autres qu'on pourra prendre dans les trésors. Là. Donc là, je prends le bouclier. Voilà. Et ce bouclier que j'ai gagné, vous voyez, je peux le rajouter à la place d'un autre truc. Donc lui, il fait 10 de défense. Je pourrais le mettre à la place d'un truc qui fait moins, par exemple. Là, en l'occurrence, j'ai ça. Voilà. Targe, vous voyez, ça fait 8 de défense. Je le remplace. Voilà. Simplement... Et alors les chiffres qu'il y a sur les cartes, pour l'instant il n'y a qu'un chiffre sur les cartes. Plus tard il y en aura jusqu'à 4. Alors le Magnus voit, ça sert à faire une provoque. Ça sert pas à grand chose, mais je peux vous le montrer quand même. Bon, je vais pas combattre tous les ennemis parce que sinon ça va être trop long. Mais sachez que les ennemis... peuvent donner des objets rares des fois. Voilà, et notre perso nous parle à nous en fait. Parce que c'est nous qui faisons les choix. On attaque pendant. Ah, les armes pour la phase d'attaque et les armures pour la phase de défense. Il y en a qui font les deux, hein, vous avez vu, elles ont une valeur d'attaque et de défense. Et oui, quand vous utilisez vos cartes, une fois que vous avez épuisé votre pioche, elles reviennent dans la pioche, les cartes, et ça se remélange donc. Y a pas un moment où vous pouvez plus jouer quoi dans les combats, vous en faites pas. Alors les combos là il veut parler. Voilà, les effets comme je vous disais, le contraire comme ça, feu et l'eau.
s'annulent, donc ne pas les jouer ensemble. Choix de la cible, on peut changer hein, le choix de la cible, bon ça je veux pas vous... Ça sert à rien que vous le sachiez parce que vous jouez pas, mais... je crois que c'est L ou R, ouais c'est L et R pour changer les choix. Voilà. Et là faut toujours utiliser un élément contraire de l'élément qu'on se prend. Par exemple si on se prend une attaque de feu, faut utiliser... Si vous utilisez un bouclier d'eau, alors en fait je vais vous expliquer comment ça marche. Alors attendez. En gros, vous allez voir. Voilà. Attaque. Vous voyez là l'attaque. C'est marqué attaque 23 au 14. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 23 de dégâts. Enfin 23 d'attaque. Parce qu'après il y a les stats de l'ennemi hein, qui sont prises en compte. Donc oui, je disais la merde un peu tout à l'heure. Quand vous faites 4, quand il y a marqué attaque 4, ça veut pas dire que vous faites 4 de dégâts, mais c'est qu'il y a 4 d'attaque. Après selon la défense de l'ennemi, des stats de base. Et les stats de base plus les Magnus que lui va utiliser pour ne... Par exemple nous si on se prend une attaque. De 20 on va dire, je me prendrais 10 de dégâts parce que j'ai 10 de défense, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Enfin je crois que c'est calculé comme ça, mais en tout cas il y a les stats de des persos et des ennemis qui comptent quoi. D'ailleurs on a combien d'attaques? 13, ouais. Ouais voilà, bref je pense que ça doit être un truc du genre valeur de la carte plus valeur des stats du perso. Et après ça fait défense de la carte adverse plus les défenses du monstre quoi. Voilà, mais ce qu'il faut savoir c'est que là vous voyez attaque 23 au 14, ça veut dire que je fais 23 de dégâts dont 14 de dégâts d'eau. Donc en gros là si j'attaque un ennemi et qu'il a il utilise une carte, alors on va ignorer hein, les stats des persos et des machins parce que ça on peut pas les voir de toute façon, on va faire comme si 23 d'attaque c'est 23, voilà, sans compter les stats des persos. Donc mes 23 d'attaque, si l'ennemi il a 20 de défense, ça fait plus que 3 d'attaque, on est d'accord. Mais quand il y a une attaque élémentaire, ou une défense élémentaire, c'est pas le cas. Parce qu'en gros, si vous prenez 23 d'attaque dont 14 d'eau, si vous mettez 20 de défense, ça absorbe que les dégâts de base, pas les dégâts de l'élément. Je sais pas si c'est clair. Mais en gros, pour annuler les 14 de dégâts d'eau, il faut qu'en face, il y ait une défense de 14 de feu, en fait. Donc en gros, ça traverse l'armure, les éléments. Sauf si l'armure est de l'élément contraire, voilà. Vous voyez, par exemple, ça défend de 15, mais contre le feu, c'est super bien, parce que ça enlève 9 aussi. 9 de dégâts de feu. Voilà. J'espère que c'est clair.